Salut, Mario. Bonjour. Monsieur Yvon Picotte, euh, qui a quand même marqué la politique québécoise, est décédé. Toi, tu, tu l'as connu, tu l'as côtoyé. Moi, je l'ai côtoyé euh, deux fois. D'abord, dans le Parti libéral. Quand j'étais dans les jeunes libéraux, il était ministre du Parti libéral à l'époque de Robert Bourassa. Et ensuite, euh, il a été, durant les années 2000, à l'ADQ. Il est devenu vice-président, mais ensuite président de, de l'ADQ. Euh, un personnage un peu, euh, peu spécial. Certains diront Ancien genre, euh, comme politicien, je pense que ça a encore sa place aujourd'hui. Il passait Des... pas par quatre chemins, hein? Non. Mais un vrai politicien de terrain, là, wow, ouais. imbattable dans son comté. Quand il y a eu la vague du PQ René Lévesque, d'un comté francophone, dans les régions, l'évêque avait tout ramassé. T'sais, il restait. Quelques points rouges ici et là, le quelques comtés que le Parti libéral avait sauvés. Je veux dire, hors Montréal. Et c'est Yvon Picotte, le genre de député tellement implanté qui s'occupait de son monde, s'occupait de son terrain, s'occupait de ses gens. Et il est toujours resté ce genre de politicien-là. Ensuite, évidemment, a pris de l'expérience. Il est devenu ministre sous Robert Bourassa, euh, un être entier. Puis, tu sais, sa vie, essentiellement seulement ces trois affaires, la politique, parce que si on veut il rendre hommage, la politique. L'aide aux personnes avec des problèmes de dépendance. Oui. Lui-même lui lui en avait eu. Lui ouais. était sorti de l'alcool, mmh. euh, a dirigé un centre, là, le Pavillon du Nouveau Point de Vue, et. Peu de gens savent ça, mais au niveau du Parlement à son époque, il a aidé de, de, de tous les partis, de tous les partis, il a aidé des gens à s'en sortir. Euh, donc, il avait des confidences. Monet, ça dépasse la politique, donc oh, ça c'est oui. une autre affaire. Et le festival de la galette de Sarrasin <laughs> de Louisville, parce que c'était un gars natif de Louisville, oui. de et oui, oui, il a été président pendant 15-20 ah, ans. Oui, ben oui, du festival de la galette de Sarrasin qui était très important pour lui. Ça pour ça faut pour parler de. de... De, 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 de politiciens de cette trempe-là ou de cette nature-là, ou avec le cœur gros comme ça, faut que je te raconte une anecdote. Parce que quand M. Picotte, ben, c'était un libéral, la année, mm. il, me, il veut me rencontrer pour passer à la DQ, puis il y avait Jean Garon, qui arrivait du PQ, ah, l'ancien oui. ministre de l'Agriculture de René Lévesque. Autre il... il... personnage. Ça, c'était deux chums. C'était deux okay. chums, puis les deux ils disaient oh, on est rendus à la DQ, puis tout ça. Ben, j'ai connu, j'ai mangé avec eux autres quelques fois, et un jour, ils m'ont conté une anecdote. Les deux sont décédés, aujourd'hui, on peut la compter. Le Conseil du Trésor veut couper ben, le gouvernement. Là, Yvon Picotte est ministre des régions, puis veut couper un programme, mais Yvon Picotte considère que c'est un programme essentiel pour aider des petits projets des petites entreprises en région, puis il n'y a pas de bonne humeur. il va voir Jean Garon avant une période des questions, il va voir son adversaire. Il dit Là, Jean, là, je te donne quelques documents. Là. Il dit C'était cohérent ce qu'ils veulent me faire, ils veulent me couper mon programme. Puis il dit, es mieux de m'en sacrer une bonne. <laughs> C'est <laughs> ce qu'on appelle des questions plantées. Non, non mais plantées, mais à l'adversaire. Ouais, fait qu'il dit t'es mieux de massacrer. Je compte sur toi pour massacrer de bonne. Fait que on se lève à période des questions, puis il te le rince, puis tout ça. Et là, bon, ils vont, Picot se lève, puis il se défend tant bien que mal, tu sais comme le gars qui, qui a coupé, puis là, ça va. On va essayer de pas... Et après coup, dans les deux semaines qui ont suivi, ben Picot s'est servi de ça. Vous Voyez bien, là, comment est-ce qu'on a l'air fou avec cette coupure là pis Il a redonné ses. <laughs> c'est très bon. Non, mais c'est pour dire que. Tu rendu. Évidemment, il a pas fait ça la première année de sa carrière. Bon, là, ça faisait 15 mais ans qu'il Il connaissait était au... toutes les ficelles. Et, ouais. et pour lui, ce qui était plus. c'est mal paraître au Parlement, lui, pendant 5 minutes, là. Ça le dérangeait ça pas. Ça le dérangeait plus. Ça faisait 15 ans qu'il était au Parlement. Des périodes ouais. des questions, il en avait fait une puis une autre. Des fois, il avait bien paru. Des fois, il avait mal paru. Mais pour lui, c'était le monde. C'était le programme. Il voulait aider les régions. Il voulait aider le monde. Fait que mal paraître 5 minutes à la période des questions, c'était un faible prix pour lui pour sauver son programme. Mais. C'est quand on Excellent. dit des, des snoros, là, puis pour qui la, <laughs> la partisanerie s'est rendue oui. ailleurs, sont rendus dans leur carrière à aider le monde. Ouais. Et je pense que c'est ça qu'on sait. C'est un exemple, une anecdote, mais pour nous, nous donner une idée de ce qui est Yvon Picotte. Mine de rien, dans les trois dernières minutes, j'en ai vraiment beaucoup appris sur Yvon Picotte et des aspects dont on se rappelait pas nécessairement. Et on va parler des cols Bleues de Québec euh, qui font beaucoup réagir. Avec, euh, disons, le, le conseil d'un chef syndical qui dit en gros aux employés ben, faites, ouais. faites le strict minimum, on va l'écouter un petit peu. Hein, patron, qu'est-ce que je fais Où est-ce que je m'en vais Attends. Okay. Actuellement, il y a beaucoup de monde qui passe en discipline parce qu'ils prennent des décisions. Ben, ouais, on l'entend okay. plutôt mal. C'est important. Arrêtez de prendre des décisions. De finir ton travail. Hein, patron, qu'est-ce que je fais Où est-ce que je m'en vais Attends. On va ralentir le travail de cette façon-là. Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas le droit officiellement de ralentir le travail. Donc, on va faire ce qu'on peut pas faire directement, mais on n'aura plus aucune initiative. Oui, parce que c'est légalement interdit. Oui, puis on va, on va. Comme on va toujours demander à chaque étape, ouais. on va demander au boss quoi faire. On va, va les, on va inonder les ondes. Les boss n'auront plus le temps de répondre à tout ça. Donc, on va complètement scraper le, le, le système. Euh, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est. Euh, D'abord. Dans cette Parce qu'on en parle beaucoup ce printemps, est-ce qu'on en a pour notre argent en matière de services publics, Il y a ce, ce sondage léger, les impôts élevés, les taxes élevées, fédéral, provincial, mm. municipal. Les gens payent beaucoup, se demandent est-ce qu'on en a pour notre argent. Je vais te dire, quand tu écoutes ça, <laughs> tu as, as un début de réponse, est-ce que tu en ouais, as ouais. pour ton argent. Bon, Ce qui est choquant, évidemment, c'est que ces gens-là, ce, ce chef syndical, pourrait très bien venir en entrevue avec toi. Mettons qu'on parlait de privatisation. On disait, mmh. un des, un, une des choses qu'ils font, une des opérations qui est faite par l'École bleue de Québec, on va donner ça en sous-traitance, on va privatiser ça. Il viendra en entrevue avec toi. Puis là, il te défendrait dur comme faire, « Hey, M. Guérin, là, le service public, nous, on croit au service public. Puis, » puis Tu dis, « Oui, mais si vous croyez au service ouais. public, puis vous, euh, le service public, vous le ralentissez, vous y nuisez, vous faites qu'il coûte plus cher, vous le sabotez, ni plus ni moins. » Et c'est pas la première fois qu'on qu voit ça. Maintenant, une fois qu'on qu on, on s'est dit outré, choqué, renversé des propos du chef syndical, excuse-moi, mais que fait la ville de Québec? Mm -hmm. je, je, je comprends de la position de la ville qui disent, ben là, nous, on regarde sur le terrain le travail qui se fait, puis ça ne semble pas avoir ralenti, fait que les membres ne semblent pas avoir trop, trop suivi sa consigne. Mm -hmm. Donc, c'est pas grave. Euh, pardon? Pardon? Je veux dire, euh, tu matière là-dedans à poursuite. Tu matière même à locat. Excusez-moi. Ah oui, aussi loin que ça. Bien. À partir du moment où, du côté syndical, il y a une tête. Telle... À moins que les membres du syndicat disent nous, on veut rien savoir de ça, on met dehors notre chef syndical. Mais tant que ça demeure. Là, pour l'instant, c'est la version officielle du syndicat. C'est absolument interdit. Le syndicat fait exactement. Ce qui prévoit le droit de la. Pourquoi on a prévu le droit de la carte? De dire, bien, quand un employeur se rend compte que les employés veulent plus négocier, puis ils vont nuire au travail, puis tout ça, ferme l'achat pour envoyer les mmh. chez eux, pas de paye. C'est une mesure extrême, mais ouais. c'est une mesure extrême pour réagir à un propos extrême. Mmh. Alors, je trouve la position de la. Moi, si j'étais contribuable de Québec aujourd'hui, je serais plus choqué contre la Ville que contre le syndicat encore. Ah, oui. Bien, c'est parce que tu dis que le syndicat fait ça, sabote. Ça je mmh. euh, là... trouve l'attitude de la Ville un peu molle. Un peu molle? Le moins qu'on puisse dire. Hey, un peu molle, oui. Mettons, alors, je suis vraiment, vraiment surpris là que la ville qui semble passer l'éponge, ben, quand on a fait une mise en demeure, on s'est attaqué aux propos, mm -hmm. mais on ne semble pas s'attaquer à la gravité du fait. Après ça, ben, je une suggestion pour la ville de Québec. Moi, en entendant ça, parce que là, ils disent ralentir, mais tu sais, le ton qu'il y a en général, le gars n'a pas l'air à penser qu'on part d'une machine là, de, euh, qui, qui roule fort, fort. C'est faire une étude sur la productivité des cols bleus de Québec. Tu sais qu'il l'avait okay. faite sur les bleue bleus de Montréal il y a 30 ans? Oui. C'est tu sais quoi le taux de productivité du travail des cols bleus de Montréal il y a 30 ans? Non. 30%. Hi. OK. Alors moi, je le prendrais au mot. Je dis bien là, avant de ralentir, on va regarder c'est quoi votre taux de productivité actuel. On va demander à une firme indépendante de mesurer les la qualité des opérations. On serait peut-être surpris. Il est chanceux de ne pas m'avoir comme maire, là. <laughs> oui, c'est ça. Par ailleurs, euh, bataille entre les aéroports à Montréal. C'est Montréal-Trudeau qui euh, attaque Saint-Hubert, qui veut adopter un nouveau nom. Je pense c'est l'aéroport de Montréal-Métropolitain. L'aéroport métropolitain de Montréal, ouais. je pense. Ouais. Et là, donc, Montréal-Trudeau, Dorval dit Alors, on va mêler le monde avec ça. OK, OK. Avec l'aéroport Montréal... métropolitain de Montréal. Écoute, excuse-moi, un peu partout dans le monde, là, mettons, à Milan, il y a trois aéroports. À ben Toronto, il oui. y en a deux. Puis, dans la plupart des cas, ils ont tous des noms différents, mais le nom de la ville est dedans. Là. Mm -hmm. Tu euh, bon, fait que là, est-ce que, est que vraiment on va mêler le monde? J'ai l'impression que là, on, du côté de l'aéroport de Montréal, on devrait se concentrer sur baisser le prix des stationnements, <laughs> améliorer... Non, mais l station, l les, les stationnements les plus chers de tout le Canada, améliorer... Le... Bon, je sais qu'ils ont un énorme projet, là, puis euh, ils sont très ambitieux pour améliorer le fonctionnement, ils devraient se concentrer là-dessus. Je les comprends d'avoir peur de la concurrence parce que c'est un aéroport qui n'est pas toujours agréable. Mmh. Fait On nous dit qu'à Saint-Hubert, par exemple, le nouvel aéroport métropolitain de Montréal, pour un petit vol à Toronto avec Porter, ouais. tu vas pouvoir arriver une demi-heure d'avance. Incroyable. Tu vas pouvoir arriver une demi-heure d'avance avant l'heure d'embarquement, parquer ton auto pour euh, le, le, le quart du prix. Qu Est-ce que ça va intéresser des gens? Oui. Mmh. Mais là... Ça s'appelle ça la concurrence qui améliore l'expérience le, 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 du client. Mm -hmm. Ça s'appelle la concurrence qui améliore la qualité des services qui sont disponibles quand tu veux faire un voyage. Ça ne deviendra pas un aéroport international, non. mais pour des vols internes. Moi, je pense que ça va être un plus. La plupart des villes de grosseur de Montréal euh, ont deux aéroports. Si tu regardes à, là, à, travers, même trois. à travers le monde, des fois même trois, effectivement. Je pense que Stockholm en a quatre. Il n'y a, a pas de scandale, il n'y a pas lieu, mais. Cette... Parce que là, ce qu'on passe, c'est une poursuite devant les tribunaux. Montréal-Trudeau poursuit devant les tribunaux l'aéroport de Saint-Hubert pour dire on t'interdit d'utiliser ce nouveau nom, Aéroport métropolitain de Montréal. C'est intéressant quand même. C'est une joke. Sincèrement, c'est une, vraie... une vraie farce. Pour moi, c'est une vraie... une vraie bêtise. Mario, on te retrouve à 10 heures. Salut. Salut.